Normalement c'est bien là. Normalement c'est bien. Oui voilà, là on est en... Voilà, on est en direct là. Donc là, normalement, j'ai un nouveau micro. Hein, je me suis acheté un Rode. Donc à moins que je l'ai mal paramétré ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, je devrais avoir un meilleur son. Normalement là on va pouvoir enquêter dans de bonnes conditions. Ma cigarette est prête, j'ai agrandi un tout petit peu la caméra, j'ai enlevé un tout petit peu la transparence. Normalement, là, on devrait bien m'entendre. Ah, Nanda. Donc là, alors la partie 5, on est en train d'enquêter sur la photo, sur qu'est-ce qui s'est produit, hein, parce que quelque chose cloche, hein, si c'est là que le meurtre s'est produit, où est le sang? Voilà, on en était là. C'est ce que je pense aussi, hein. Il y a eu règlement de compte, à mon avis, dans le club amour, hein, qui porte bien pour le coup son nom. Parce qu'il n'y a pas assez de sang ici, hein, pour quelqu'un qui a perdu ses yeux. Aha! Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Dans ce trash bag, comme disent les anglo-saxons. D'accord. Il a donc été déposé entre 2 et 6 heures du matin. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ah. Oui, il faut que je regarde. En fait, c'est à droite, hein, que j'ai le... que j'ai le zoom. Bon, ça, on a déjà vu le sac poubelle. Qu'est-ce qu'il me dit si je rappuie? Ok. Ah, ok. Il nous refait un petit point. Il nous refait un petit check-up de la chose. Ah, Nanda. Qu'est-ce qu'il y a dans sa poche? D'accord. Donc l'enquête est terminée. Ça nous a pas appris grand-chose, hein, au final. Ah, nous y sommes allés, hein. Il avait une bonne balle à frein, dis donc. Bah, je dis ce que je veux, ouais. これまでにも協力会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は協力会と敵対する東条会の犯行である可能性が高い。Ah, ce qui est pas faux, hein. ここまではいいな。Oui, je suis beaucoup. Les meurtres peuvent être le fruit d'une lutte territoriale entre clan Tojo et Kiroye, Kyore, pardon. いいよ、続けてくれ。じゃあ、ここから先は。検察が主張する事件当日の流れだ。Et voilà les choses comment. 12月3日夜9時過ぎ、カムロ町のクラブアムール前。松金組若頭、羽村恭平と協力会の久米、村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。Pour l'instant, je suis d'accord. Murase wa kume o nokoshite tousou shite iru. Hamura wa Amuru de 1 jikan ni watatte kume o kankin. Teshita tachi ni boukou o kuwae saseta. Yoru 10 ji. Hamura wa jibun to kume o nokoshite zeiin o mise kara kaeshita. Koko made wa Amuru tenchou no shougen to Pardon pour le bruit de la cigarette.
検察が言うには、ハムラは二人きりになった後、クメにさらなる暴行を加え、C'est ce qu'on appelle communément être plus violent, oui. そして午前2時から3時ごろ、ついにクメの眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し、Il dit qu'il était au sauna, hein. 午前0時にクメとアムールを出た後、サウナにいたとアリバイを主張。しかし、それを裏付ける証言や証拠はなく、Et il n'y a pas que l'accusation. Moi aussi, je doute. クメの死体発見は4日午前6時過ぎ。Moi aussi, je doute.事件から1週間後に逮捕された。Amoura, je le sens mal, hein. Faut pas oublier d'où il vient et qui il est. アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の。Attendez, je vois que j'ai un petit morceau là qui ne va pas, c'est avec mon fond vert. Je vais essayer de rectifier ça très habilement. Non?Oh mon dieu, je suis un génie. Je suis un génie. Donc on peut reprendre. Hein. Ça m'a permis de voir qu'on pouvait mettre le jeu sur pause. Alors donc il disait quoi ? Ils ont la vidéo du club, les taches de sang à l'intérieur et l'alibi en toc d'Amoura. Mais non, on n'a pas la vidéo du club. Enfin si, la vidéo à l'extérieur. Les taches de sang à l'intérieur et l'alibi en toc d'Amoura. D'accord.一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えている。まあ、devant un jury、ヤクザ同士の殺しだってな。Ils ont beaucoup de raisons de suspecter Amoura, cela dit. On sent que c'est un fin analyste. On sent qu'il a pas été avocat pour rien. 確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただ。あんたはどう考えてる？実際ハムラがクメをやったと思うか？Moi, je pense qu'il en est complètement capable. Alors là, oui, oui. 俺が思うに、今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に、多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生。性格はあれだが、弁護士としては超優秀だな。同感です。ええ、まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ。どうかしたか？もしハムラが無実なら、真犯人は別にいるってことだよな。あ？おい、セパフォーさ。つけるならそいつを見つければいい。おい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者をにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らはハムラの弁護をするだけだ。Un avocat doit démontrer qu'on ne peut pas mettre en examen l'accusé hors de tout doute raisonnable. Oui, attendez. Voilà. Je pense que c'est bon là le son. J'espère hein, qu'on entend assez le son.Je verrai bien. D'ailleurs, j'ai bien envie de faire une petite pause juste maintenant, faire une toute petite partie 5 pour faire le test du son. Mais selon moi, on entend bien. Hein. Sinon, je peux mettre comme ça. Peut-être ça serait mieux. Je sais pas. Voilà, on va laisser comme ça, on va voir.Un avocat doit démontrer qu'on ne peut pas mettre en examen l'accusé hors de tout doute raisonnable. Inutile de découvrir la vérité, j'imagine. Bah, moi j'aimerais bien trouver le. Moscoshi, Higaishaga no Joho ga hoshi. Kume ga lachi salta toki, Hitori de nigeta Anikibun ga itaro. C'est vrai qu'on l'a jamais retrouvé lui. Kai Kumin, Murase Akira. Aitsu no hanashi ga kikitai na. Hanashi te donna?クメが目の前で拉致された後、村瀬がどう思いたかです。まあ、いら、フィー。仲間ラッシュ。されてんのに、
その後何もしなかったのかとか。C'est vrai, ça ne serait pas digne d'un yakuza si Murasa avait simplement détalé. Bah, c'est pourtant ce qu'il a fait, non? J'ai bien l'impression. Son code lui imposerait de secourir Kume, mais demande à Murasa ce qui est arrivé. Oi, oi, ima konna toki ni kyōreikai sagure tte no ka? Kumi ni yarareta bakka nan da zo. Bah oui. Sōto sakki datteru darō na. 俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ。簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった。分かった。行こう、カイトさん。Ah, mais moi je veux récupérer ce mec. Je veux savoir ce qu'il a à dire. Mais en même temps, il a rien vu. Il a détalé.Il a fui, hein, parce que détalé, c'est quand même assez. C'est pas beau. C'est pas beau.De nouvelles infos ont été ajoutées au dossier. Meurtre en série, preuve mise à jour, scénario de l'affaire mise à jour. Oui, donc on a la mort de Kume. La mort de Kume a été causée par un traumatisme crânien provenant d'une blessure à travers l'œil. On pense que l'arme du meurtre est un objet de type pique à glace. Son corps présente aussi des signes d'agression ayant eu lieu alors qu'il était encore vivant. Ah oui. Là, c'est sympa, quoi. L'heure estimée de la mort de Kume se situe entre 2h et 3h du matin. La quantité de sang laissé à l'emplacement du cadavre ne correspond pas à l'ampleur de sa blessure. C'est pourquoi il semblerait que le corps ait été déplacé de la scène de crime réelle. C'est ce que nous pensons. Et ça, évidemment, c'est le résumé. Mon cul sur la commode. Ok, donc moi je vais aller rejoindre les bureaux de la famille Matsugane. Ok. Ce que je vais faire, c'est que ça va être une toute petite partie 5. Oh, remarque, je continue. J'espère que le son est bon, j'espère que je me suis pas planté dans le réglage. Pour moi, ça m'a l'air d'être bon. J'espère. Là, j'ai l'impression que le son est un peu fort, voilà. Là, j'ai l'impression que c'est bien. On verra, hein. On verra. Sinon, je rectifierai ça pour la sixième vidéo, malheureusement. Hein, vous pouvez rien m'excuser, je peux pas... J'aurais dû faire un test avant, mais j'étais tellement excité, vous savez. J'ai reçu le colis. C'était un mec des banlieues qui me l'a filé comme ça, sans dire bonjour. J'étais ravi. J'adore. C'est tellement agréable. On vit une époque formidable. Les livreurs, j'adore. Ils ont une façon d'embaucher ces nouveaux livreurs. Ça me passionne. J'aimerais être là à l'embauche. Ah, oh, mais dis donc, vous êtes une ordure. Vous parlez comme un enfoiré. Allez, on vous embauche direct. On le prend, lui. À chaque fois, hein. Et là maintenant c'est même plus du fantasme où je me dis que c'est moi qui suis un enculé, qui aime personne. Non, je pense qu'ils sont tous recrutés sur des critères nihilistes. Les livreurs Amazon sont recrutés sur des critères complètement nihilistes. C'est histoire de pousser à la dépression tout le monde, quoi. Quand tu reçois ton colis, hein. Là je l'ai attendu de la fenêtre, hein. Je voulais être certain d'avoir le micro là. Et pas qu'il me mette un faux avis de passage ou une saloperie comme ça, parce qu'il a la flemme de faire son taf. Moi, je regrette le temps, vous savez, dans la France des années 60, où on avait un vrai facteur. Il avait une casquette, il était gentil, il avait une barbe, il était... Non, c'est fini, ça. Maintenant, t'as le mec avec le t-shirt Fly Emirates. C'est à peine s'il te balance le colis à la gueule. Un peu comme eux, là. Alors, je sais plus quelle technique, mais là, moi, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Là. Déjà, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Et voilà.
Et voilà, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Voilà, c'est tout. Ça m'a mis en jambe là de parler des mecs d'Amazon. Ça m'a fait plaisir de me venger un tout petit peu, ne serait-ce qu'à l'audio. Alors mon Twitch c'est Bosseron14 hein. Et ma chaîne YouTube Bosseron14 aussi hein. Je me suis dit tant qu'à faire donner le même nom, je sais pas, ça va être plus malin. Je me suis dit Romain soyons malins. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit autre chose, mais après je me suis dit ça. Je me suis dit soyons malins. Essayons de faire ça bien. C'est ça que je me suis dit. Mon fond vert est complètement en train de déconner. Mais bon, c'est pas grave. Comme toujours, les puristes rectifient de même en temps réel. C'est vrai que là, le fond vert, il déconne complet. Hein. Je peux pas tout avoir. だが組長の松金光は俺にとっても会頭さんにとっても親父だ。あ、オッケー。ça rigole pas là。いや、神さん落としました。おお、久しぶりじゃねえか、タボ。あ、いい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 、
Kintsugi Matsugane. Lui, il a un kimono, je vais te dire, c'est pas un jogging. Hein. C'est pas marqué Flying Emirate. Hein. Il te casse en deux avec deux doigts. Oui, on connaît les Yakuza, hein. On est tous frères. Jusqu'au moment où on te coupe la bite. Ouais, tu serais une femme. Ils sont bien courageux toujours d'être à table comme ça, à terre. Ça me pèterait le dos. Bon, je me tais un petit peu. Ah oui, on l'aide farouchement, monsieur. そこの組員に聞きたいことがある。けどお前連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。 関西の大手だ。で、その梶平系列で KJアートってのが占領通りにある。ビル1棟丸ごとその会社のもんでな。ああ、merci de l'info。merci de l'info。merci du tuyau、vieux pote。KJアート。わかった。あ、j'ai pas besoin de m'en souvenir、ça va être marqué sur la map。 Ça sera notre petit secret, je te le promets, vieil homme. Et puis en chaussettes, la grande classe, quoi. Chez lui en chaussettes. J'adore. Ah, j'ai un appel. Je réponds, pardon. Kaito-san, Oya-san t'a parlé. Le Kyōrei-kai no kyōten wa KJ Art te kaisha da. Ah, peut-être. On ne sait pas. Voilà. Bon, ben, on va voir, hein. On va voir. Ça va être encore une mission dronesque. Bon, j'ai toujours à manger, j'ai toujours mes trucs, ouais, c'est bon. J'ai pas besoin de faire le connard à m'acheter des autres trucs. Ça m'a l'air bien, là.
Bon, alors du coup, j'ai combien de PA là? Ah oui, alors PA j'en ai 900. Par contre, mon fond vert déconne vraiment. Hein. Je vais changer ça sur la prochaine vidéo. Hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Hein. Ça va être modifié. Hein. Donc j'en ai combien? Non, j'en ai pas 900, j'en ai 810. Mais bon, ça me permet quand même de faire quelques petites améliorations. Bienvenue, pilier de barre. Renforcer votre tolérance à l'alcool vous permet d'enfiler les pintes comme pas deux. Oui, pourquoi pas? Courage liquide, l'alcool qui circule dans vos veines attise votre rage. Charge plus rapide, la jauge. Non, non, mais moi je bois pas d'alcool. Mangeur consciencieux, prenez le temps de réfléchir à ce que vous mangez pour digérer correctement. Manger vous permet de récupérer. Oui, je prends ça. Oui, je prends ça. Ça me redonne plus de vie, c'est très très bien. Ok, j'ai fait le tour. Mais moi, je veux du coup de poing, je veux du... pas chasser. Vous permet d'annuler un kobo en exécutant pas chasser ou roulade d'esquive. Appuyez enfoncé R1 et... maintenez enfoncé, pardon, R1 et appuyez sur X à un moment précis lors d'un combo. Pas chasser d'annulation. Putain, mais comment se souvenir de tout? Ça je l'ai déjà. Acrobatie murale, mais je vais déjà. Proposez-vous d'un mur et profitez de ses lents pour asséner une frappe aérienne. Mais j'en ai 50 000 des comme ça. Allez, je le prends. Mais je crois que j'ai acheté tous les trucs où on se balance du mur. Allez, je prends. Il me reste 70. Bondissez dans les airs à hauteur de l'ennemi et envoyez-le manger la poussière. Ah oui, mais ça c'est très difficile. Appuyez sur triangle tout en maintenant R1 enfoncé. Attendez. Après un combo carré, 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 carré. Triangle, triangle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tac, tac. Appuyez sur triangle tout en maintenant R1 enfoncé. Non, mais là, je suis pas encore là, les enfants. Je suis pas encore là. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Ah, destructeur sur enfilature, les cibles sont moins susceptibles de remarquer si vous cassez quelque chose. Oh, allez. Allez, hop, et puis comme ça, c'est terminé. Allez, hop. On perd pas de temps. Non, à chaque fois, j'ai envie de courir avec... j'ai envie de courir avec... L2, mais je... Non. Eh oh, va te faire enculer. Eh, poussez-vous. Con de mime. Voilà. Un kilo de base. Et là je change de technique. Ah bah c'est déjà terminé. Et bah fallait pas me faire chier. Quoi, tu veux te battre aussi toi sale con? J'ai failli dire une insulte un petit peu tendancieuse. Je me suis vite rattrapé, sinon j'aurais été banni de Twitch. J'ai su me contrôler là. Bon, un truc somme tout banal. Hein. Mais tout de même, qui tombait sur le coup de la loi. Hein. J'ai senti que j'allais tomber sur le coup de la loi. Ah oui, c'est vrai que je peux les choper aussi. Tiens, prends ça dans ta gueule. Oh là, attendez, regardez ça. Merde. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Tiens, voilà. Ça, là, tu l'as pas volé, celle-là. Et voilà. Et en plus, j'ai gagné un petit peu de sous. Pour mettre dans mon porte-monnaie. Un petit peu de sous pour mon porte-monnaie, c'est parfait. Hein. Mais j'ai hâte quand même de finir la vidéo pour voir un petit peu si le son est bon, si je dois me rapprocher plus ou je sais pas. A priori, il faut être à 15 cm. Bon, j'ai essayé de régler ça au mieux. Pour moi, là, ça a l'air d'être bien, mais on va voir. Hein. Donc c'est là que normalement, il crèche le clan QOG, là, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai encore un appel, décidément. Là, tout le monde veut me parler. C'est toujours le même mec. Ah,
カイトさんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。Ouais, ouais, ouais. De toute façon, moi j'ai mis l'option où ça vibre. Alors, de toute façon, j'ai même. Mode recherche active, mission de recherche. À chaque fois, j'entends un chat, mais alors je vois pas le rapport. Hein. Regarde à droite. Bah, quoi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des putes. Elle, elle sait pas où aller. Ah, le drone. Ah, il est là. Eh, hey, hey. Ok, je. Ah, mais pardon. Le voilà, c'est Keto-san, ce petit coquin. Nous avait fait une petite blague. Ok, donc on doit monter. Ah putain, je me fais à chaque fois avoir. Bon, on va prendre les escaliers, ça doit être ça. Il va nous demander de... On va faire quelque chose de malicieux là, je le sens bien. Hein. Non, non, c'est pas ici. Non, non, ce truc des chats, je suis déjà venu, j'ai pas besoin de chats. Je suis déjà venu. On a déjà donné. On a déjà donné, madame. Oh. On a déjà donné. On vous... Voilà, voilà. Là, 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 on est sur le toit. Il est là. A chaque fois, ça fait comme si ça faisait un son de portable. J'aurais dû changer, mettre un autre son. Belle vue sur le Keiji Art, hein. Il est en train d'enculer la secrétaire là en bas. Pourquoi pas, hein. Moi je suis assez ouvert d'esprit. Menu pause, faites voler le drone en utilisant l'appli drone. Vol, prenez la commande du drone. Personnalisez les différentes pièces de votre drone. Indisponible actuellement, ça fait plaisir. Résultat de course, consultez les résultats de la ligue des drones. La ligue de drones, indisponible actuellement. Opération, modifier les commandes. Ok, il faut que je choisisse vol pour faire décoller. Ben oui. Et ben hop, vol. Ok, on cherche un mec qui a un costard de merde. Si on veut trouver. Ah, ok, donc on va visiter le. Alors, oula. Alors, contrôler l'appareil photo, contrôler le drone, changer le point de vue, contrôler le drone, examiner, finir, oula, agrandir, rétrécir, zoomer, aller aux îles Féroé, votre passeport. Ok, tout est là. Ok. Allez, je. Oh bah putain. Mode de recherche aérienne. À propos du mode de recherche aérienne, examine des zones à l'aide du drone. Hein, pop, pop, tout en manœuvrant le drone, déplacer le réticule. Hein. Ouais, c'est exactement pareil que d'habitude. Allez hop, c'est bon, on n'est pas plus con. On n'est pas plus con que les autres. Donc. Ah non, non, ouais, ok. C'est par là, hein. Attends, non, c'est par là. Voilà. Le drone qui est censé nous rendre. Mais non, mais je suis pas du tout dans la bonne rue. Qu'est-ce que je branle? Voilà. Ok. On est censé être plus discret, hein, avec le drone. Hein. Ah. Ah non, c'est parce que j'ai heurté. Il n'y a que des bureaux là-dedans. Je ne vois pas Murafze, je devrais aller voir ailleurs. Oui, bah... Ok. On va monter. Nanda. Mince, les sorts sont baissés, je ne vois rien. Ouais, bah... Ça va vite, hein. On va le trouver, ce coquin. Bah, ça va pas être lui, là. Bon, je vais quand même le faire pour avoir des petits PA, mais... Ouais, ok. Waouh, jolie pièce, mais pas de Murafze en vue. Bon, moi j'ai pas besoin de. Ok.
Oula, 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 oula. Bon, il est pas dans la réception. J'emmerde un peu les gens, mais bon, c'est pas... On est censé être discret, hein. Mais en fait, c'est... Bon, on va aller sur le toit. Oh putain, mais je sens que là, je suis mal barré. Hein. Non, non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, pardon. Bah oui, mais j'ai fait toutes les pièces. Y a rien en face. Oui, oui, mais il m'énerve à dire Tokuda et alors peut-être que j'ai mal vu ici. Ah, ici peut-être. Voilà, oui, oui, oui. Voilà, c'est pas facile à diriger, alors faut... mais non, c'est pas ça, parce que là, on est même plus dans la zone de... C'est pas ça. Ça paraissait une bonne idée. Peut-être que je l'ai... Peut-être qu'il faut que je me mette vraiment sur le côté comme ça, voilà. Parce que j'ai un peu merdé. Ah, attends. Peut-être que ici, voilà. Voilà, peut-être que là on va y arriver là. Voilà. Non, il est peut-être dans l'arrière-boutique. Voilà. Voilà. Bon, j'aurais pris un peu mon temps. Oh putain, mais c'est difficile à... Attends, je vais... Oh là là, et... Putain, et je vous assure, hein, c'est pas moi, hein, c'est vraiment... Le poil de cul. Il veut pas le prendre. Hein. Voilà. Eh oh, c'est lui là, c'est bon. Voilà. Il est en train de tabasser un mec. Lieutenant du clan Kyore, Akira Murase. C'est bon, on l'a repéré. Eh ben, il est parti. Bah, évidemment, il va être parti au quatrième étage. Non, peut-être pas. Monte encore. C'est pas très intuitif en fait les commandes. Ah bah voilà, c'était sûr. Ouais. Ok. On a réussi l'enquête. Bon, après, je vais regarder le son et puis je vais changer le fond vert. Je vais mettre ma au plus fort, hein, parce que là, manifestement, ça merdouille. Ah bah oui, moi j'ai mon propre bureau, par exemple. Ça veut quand même dire quelque chose. Pas déconner, quoi. Il faut se déguiser.
忍び込むか強行突破か。On va se déguiser, j'en suis sûr. どう攻めていくかな。Voilà, se déguiser. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? 誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか。Voilà, un livreur Amazon. Fly Emirates. Moi, c'est marqué Dark Throne, alors c'est pas vraiment la même chose. Billy のメンテナンスとか。お、そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドンキホーテで買えるしな。ただ、ビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする？Faut savoir se faire respecter. あそこの室外機使おうか。あれがもし故障してたらどうなる？修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか？ Non, va la provoquer la panne. 壊れてなければ壊しに行けば。Voilà. なるほど。そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当に多忙か？どういう意味だよ。よし。じゃあまず室外機に細工してくれ。カイトさんはここから見張ってる。おう。それじゃ、作戦開始。On va se battre un peu, c'est très bien.Puis après, j'entamerai la partie 6. Moi, je descends direct par là. En fait, j'aurais pu très bien y aller direct par là. Hein. C'est ce que je suis en train de me rendre compte. Je suis monté par les escaliers en bon citoyen. Mais finalement... Oh, mais merde, à chaque fois, j'étais en train de me dire que ça pouvait pas être le bon... Et toi, t'es pas un peu débraillé, là? Putain, vraiment, à chaque fois, j'ai envie de courir. J'appuie sur L3. Allez, allez, hop. Quoi? Ah non, c'est plus loin. Je vais y arriver, hein. Eh oh, toi, c'est pas parce que t'as un costard que je te pète pas la gueule, hein. Moi, j'ai un t-shirt Dark Throne. Mince, verrouillé, je vais devoir... Oh là, mais ça va, des fois, ça va un peu vite. Alors, Keto, les flics arrivent. Finis ce que t'as à faire, dépêche-toi. Mince, il faut que je me grouille. Ah... J'ai bien fait de mettre des options là-dedans. L'art peu scrupuleux du crochetage de serrure. Le crochetage est une méthode certes douteuse, mais parfois nécessaire pour avoir les portes verrouillées. Utilisez un crochet pour aligner l'écran des goupilles avec la ligne de césure en rouge. Ok. Chaque goupille a une position définie par rapport à la ligne de césure. Vous pouvez ouvrir la serrure en alignant toutes les lignes de césure. Si la goupille est trop haute, toutes les goupilles reprendront leur position d'origine, y compris celles que vous avez déjà ajustées. Chaque serrure a un nombre de goupilles différent. Très bien. Certaines serrures doivent être crochetées dans un temps donné ou c'est l'échec. Ok, bon, bah on va essayer ça. Alors, déplacer le crochet... Gauche, droite, déplacer crochet au bas. Alors gauche, droite, au bas, ok. Ben c'est tout. Ah oui, d'accord, ça commence très très bien. Yes. Ben c'est tout. J'ai pas compris. Damn it.Mais quoi, il y en a que 3. Dame quoi. Dame quoi, kso. Muzukashi na. Chigau, dame quoi. Yoshi. Ah, ok. Mou skoshi da. Ah putain, j'ai réussi à 2 secondes de la fin. Wouhouhou. C'est qui le patron ? Alors, hein? Il y en a qui en ont douté, j'en suis sûr. Bon, allez, on va péter ça. C'est qui le patron? Putain, à 2 secondes de la fin, j'ai compris enfin le truc. Mais il n'y avait pas de ligne de césure. Enfin, j'ai pas bien compris le truc. Bon, très bien, je dois juste... Bah, coup de pied, évidemment. C'était coup de pied ou coup de tête? Alors, un petit peu plus fort... Bon, là, il va falloir faire une attaque. Là, ils pourront jamais réparer ça sans un pro. Maintenant, déguisement, Don Quichotte, me voilà. Don Quichotte, hein. Faut pas déconner. Ok, on se casse.
Ok, bon, bah on va s'arrêter là, hein. Moi je vais aller regarder ça pour voir si le son est bon, s'il y a des réglages à faire, notamment ce fameux fond vert qui merdouille. On va aller prendre le. J'ai peur qu'il y ait une cinématique en fait. Oula, oui, non, si je vais sur la route, ça va pas le faire. Non, je vais pas prendre un taxi. Alors, trouver un déguisement de bricoleur. J'allais m'acheter ça. Il doit me rester un peu de sous. J'ai pété la gueule à plein de gens. Je dois avoir des sous. C'est quand même vachement bien fourni, hein. Le jeu est quand même bien détaillé, hein. Je suis agréablement surpris. Bienvenue, monsieur. Bah, merci. Voilà, il a 2000 et j'ai 11 000. Bah, c'est parfait. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'achète des trucs, toi? T'es cool comme mec, toi. Une canette de café premium, faible en sucre, mais bourrée de caféine en guise de petit remontant. Oh, allez. Allez, je t'achète 2-3 babioles, t'as l'air d'être dans la merde. Mais c'est bon, c'est pour moi, c'est cadeau, garde la monnaie. Garde la monnaie, on te dit. Bon, je réponds, puis après on va faire. Oui, j'ai le costume. Ah, il faut qu'on arrive avant lui. J'ai hâte de me déguiser. Ok, bon bah allez, on retrouve, on va sur le chemin de Cajot. Ah putain, décidément. Hein. On va sur le. Ah bah je cours en version première personne. On va se placer là devant notre ami et puis je vais faire la coupure. Ah bon, on fait une petite baston. Allez, hop, viens. Allez, venez là. Regarde ça. Voilà. T'as compris là ou t'as pas compris? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Et voilà. Petite baston avant de finir la VOD. C'est parfait, voilà. C'est nickel. Donc on se laisse ici. Et on se revoit pour la partie 6. Je vais faire un petit réglage de son. Voilà. Bon, je vais pas me répéter. À chaque fois, je dis le même truc. Allez, je vous embrasse tous et à très bientôt. J'espère que vous appréciez l'effort que j'ai fait de m'acheter un micro Rode. À tout de suite.